ville au bord de la mer, la Méditerranée. Super, tout bleu, des poissons qui nagent. Génial. À 11 ans, j'ai perdu ma mère. À 12 ans, j'ai perdu mon père. Après, ils m'ont foutu à l'armée dans un lycée militaire, imaginez. Allez, tout va bien. Avance, le top. Pas une seule nana dans le lycée. La cache, rien. Ah, la folie, mais c'est pas possible. Après, je vais à la fac, alors là, des meufs partout. Partout des meufs, le top. J'ai rien étudié pendant 10 ans, j'ai rien foutu. Rien, rien. J'ai niqué comme un con. Je les adore et je les envie pas du tout. Hein. Je suis pas du tout jalouse, pas du tout. Je suis hyper épanouie. J'adore, je fais des contrats, par exemple. Ils vont faire des spectacles. Et ben moi, je copie-colle les numéros de sirette dans un document. Après, je copie-colle la date ou les dates. Il y en a qui font plein, c'est génial. Et moi, je les colle dans un document. Ouais, j'imite la signature du président de l'association et j'envoie. Raconter ma vie, c'est la première fois qu'on me le demande. J'ai toujours rêvé, quoi. C'est super. Oh, je connais pas une seule tête d'ici. D'habitude, tes potes, ils en ont rien à faire. Et bah toi, t'arrives là et l'unité te dit... Raconte ta vie, c'est génial. Par quoi? Et bah par arriver 3 semaines avant. Non mais moi le monde, je voulais le visiter. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont mis dans une couveuse, je suis resté là. C'était magnifique, il faisait chaud. On avait l'impression que c'était le désert. Hein. Bah, le désert avec d'autres qui crient. T'imagines le désert avec que du bruit, quoi. Oh, c'est la fête, hein, j'adore. Non, il paraît que je souriais, il paraît que je pleurais. Vous avez jamais pleuré, vous? Bah si, c'est génial de pleurer. Enfin, tu te vides, quoi. Hein. T'es rempli. On t'apprend ça ici, tu te remplis. Et bah, au début de ta vie, tu te vides. Voilà. J'adore quand c'est mon anniversaire, j'adore ça. Et du coup, bah, même le premier anniversaire, bah, c'était il y a 28 ans. Quand je suis arrivée comme ça, j'avais le cordon autour du cou. C'était bien parce que je pense vraiment la première bouffée d'air que j'ai prise, je l'ai mais savourée, quoi. Et après, direct, on m'a bourré de médoc, quoi. On m'a bourré de médoc parce que ma mère, la petite Ménarde, elle avait eu la toxoplasmose. Heureusement, j'aime. Et là, il y a tellement d'occupations entre me balader, jouer tout seul. Quand t'habites dans une maison et que tout autour de toi, il y a soit des champs, soit des vaches, soit des forêts. Alors, t'as le choix, hein, franchement. Hein. Soit tu vas chez toi et tu joues avec rien. Tu m'adores et bah, tu te balades et tu fais des cabanes tout seul. Hervé, mais merci! Mais Hervé, mais j'adore! Moi, ça fait 5 ans, Hervé! Ça fait 5 ans que je fais les ruches et à chaque fois, je prends l'alvéole de Hervé et je suis contente d'être là, de me chier dessus! Je lève un poil, ça s'empoisse, putain, mais ça me fait tellement! J'ai envie de chier depuis tout à l'heure! Mais j'y vais pas! Mais non, je peux pas parce que je me dis que si je me barre, ben je reviens pas! Et je me casse et je crie et je dis. Ton exercice de merde! Mais j'adore ça! Parler de moi, tu vois, mais c'est super! En plus, ma vie est formidable! Mais ma vie est géniale! Moi, on m'a toujours dit, si tu fais du théâtre, c'est parce qu'il s'est passé un truc de ouf dans ta vie! Mais putain, moi, j'ai pas mes parents, ils sont pas divorcés! Mon petit frère, il est formidable! Il y a eu aucun décès, j'ai encore ma grand-mère, j'ai encore mon grand-père! Ma vie va bien!